toujours au salon du 4x4 de Valoir, la foire au tout-terrain, avec Alain qui va nous présenter ses cellules. Et donc il y a peut-être des nouveautés. Alain, présente-nous un petit peu la société. D'abord, je vais déjà rectifier, je n'appelle plus ça une cellule, j'appelle ça un studio-car. Parce que cellule, ça fait un peu prison. Donc on a baptisé nos produits studio-car. Voilà la première nouveauté. Sinon, j'ai fait un nouveau modèle qui s'adapte directement sur le châssis. Et j'ai toujours ma gamme de 3 cellules, donc studio car, pardon. Donc standard, allongé et allongé plus. Studio car, vous les mettez maintenant sur le châssis directement. Parce que avant, et on le voit dans beaucoup d'autres configurations, d'autres confrères, on va dire, d'autres concurrents même. Qu'ils mettent ça dans la benne. Oui. Alors évidemment, on perd un peu de place. C'est pas aussi bien intégré. Alors que les vôtres, comme on le voit ici, sont vraiment, vraiment bien intégrés. D'accord. On va jeter un œil à l'intérieur. Bon, voilà. Nous sommes dans un studio car allongé plus. Donc nous avons toujours notre toile isolante avec nos baies, avec moustiquaires. Et donc notre fenêtre se ferme avec une fermeture éclair. Donc ce qui permet d'avoir une étanchéité parfaite. Ensuite, nous avons un lit 140x190, un sommier à lattes, donc nous assurons du confort. Facile à utiliser, puisque après l'utilisation, il suffit de le remettre sous le toit. Donc après, l'intérieur, donc l'aménagement intérieur se fait en fonction des besoins et des possibilités des clients. Donc nous n'imposons rien, mais nous avons trouvé des choses très intéressantes, comme une table coulissante, ce qui permet d'éviter d'avoir un pied et très pratique à l'utilisation. Ensuite, dans cette cellule, dans ce studio car, nous avons installé un congélateur à compression. Nous avons un évier avec une plaque chauffante, un WC et des rangements. Toutes nos portes se ferment avec un loquet, donc il n'y a aucun risque que le matériel puisse tomber en cours de route. Ici, nous avons toute la zone électrique et commande. Donc, nous sommes montés ici avec un coupleur séparateur chargeur. Ce qui permet de brancher le produit, donc le studio car, à une prise de 220 à l'arrêt et vous rechargez votre batterie. Mais tout aménagement est fait en fonction du besoin du client. Ça, je tiens à le dire et le répéter. Bon, sur ce modèle, nous avons une porte en deux parties, donc qui permet d'avoir un escalier intégré à la partie basse. Ce qui est très pratique et ça donne beaucoup plus d'ouverture qu'une porte à l'anglaise. Mais nous pouvons le faire que sur les modèles où l'arrière est arrondi. Ensuite, nous avons le fameux petit auvent qui se ferme intégralement avec une toile, qui se replie facilement sous le fameux auvent. Ce qui permet de prendre une douche, de pouvoir changer à l'abri. Ça, c'est un produit très intéressant. Bon, nous pouvons aussi intégrer sur le côté, soit gauche, soit droit, un auvent qui se replie sur l'ensemble du studio car, qui est très pratique puisqu'on peut le fermer dans une poche en plastique. Ce n'est pas très lourd et peut se démonter très rapidement. En dessus, vous pouvez remarquer le toit relevable avec la toile qui est isolante pour le chaud et pour le froid. Et on aperçoit les deux baies latérales. Donc sur cette toile, nous avons aussi prévu en haut une petite ventilation. Alors là, on est juste à côté de votre nouveauté. Exactement, nous avons notre nouveau produit qui se monte directement sur le châssis. Donc la pose est réalisée par un carrossier officiel. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet AB Concept. Et n'hésitez pas à m'appeler.